Le méningiome est une tumeur des méninges qui sont les enveloppes autour du cerveau. Dans ces facteurs de risque, il y a la prise de médicaments dérivés de la progestérone. Ces médicaments sont l'acétate de cyproterone, l'acétate de nomégestrol et l'acétate de chlormadinone. On sait aujourd'hui que l'exposition prolongée pendant plusieurs années à ces médicaments expose les patients à un surrisque de développer des méningiomes. Pour répondre aux recommandations sanitaires et pour répondre également aux inquiétudes bien légitimes des patientes, nous avons mis en place au GHU Paris un circuit court permettant le dépistage. Avec les collègues de radiologie et les collègues du service de neurochirurgie, nous proposons une IRM de dépistage et un avis neurochirurgical spécialisé si jamais un méningiome est découvert. Lorsqu'on a un méningiome dans le cadre d'une prise de médicaments dérivés de la progestérone, la première chose à faire est d'arrêter ce traitement, en partenariat avec l'endocrinologue ou le gynécologue ou le médecin généraliste qui a pu le prescrire. Deuxième question qui se pose, c'est la prise en charge du méningiome. S'il s'agit d'un méningiome symptomatique, l'on peut proposer une surveillance serrée. Dans le cadre des méningiomes associés aux médicaments dérivés de la progestérone, on observe, à l'arrêt du médicament, une stabilité ou une décroissance de ce méningiome dans plus de la moitié des cas. Ça autorise donc de surveiller pour espérer observer une diminution du taille du méningiome. A l'inverse, si le méningiome progresse ou s'il est très symptomatique, il faudra proposer un traitement. Le cas échéant, le traitement du méningiome est le même pour tout type de méningiome. L'exérèse chirurgicale est dans un nombre restreint de cas la radiothérapie. Les patientes nous contactent via l'adresse disponible sur notre site internet dépistage@ghuparis.fr ou par l'intermédiaire de l'association AMAVEA. Pour répondre à leurs attentes, nous organisons un rendez-vous rapide avec une prise en charge en moins de 15 jours.